je paye ta pension, je paye ta ration alimentaire, je ne sais pas, je suis vraiment débordé pour commencer même. Donne-moi le téléphone, t'es donné. Envoie-moi le téléphone. Tu veux quoi avec son téléphone, frère? Je vais lui parler deux fois, donne-moi le téléphone. Attends, tu veux faire quoi avec son téléphone? Donne-moi mon téléphone. Elle ose m'arrêter. Donne-moi mon téléphone. J'abandonne les deux. Attends, tu venais demander des excuses pour arrêter avec la relation, bien de continuer toujours avec les deux. Pour continuer, je fais donc comment? Il ne veut plus entendre parler de moi. Je voulais continuer avec les deux. Déjà, c'est son frère qui est en Europe, me lâche, je restais mon gars. Est-ce que tu te rends compte en fait? Parce que moi, pour moi, c'est grave en fait. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire depuis là en fait? Je me rends compte. Est-ce que tu es animé par quoi? Pas l'amour, c'est l'amour qui t'anime ou bien les cadeaux que ce gars t'offre en fait? Qu'est-ce qui t'anime? Au départ, c'était les cadeaux, c'était l'argent, mais maintenant, je suis un peu amoureuse de lui. Pourquoi? Parce qu'il sait flatter la femme. Il sait que la femme a besoin d'entretien. Mon gars, lui, ne connaît pas ça. Lui, il sait que non. Quand il a la rentrée comme ça, il a déjà payé la pension. C'était bon. Il essaie... Bonsoir, chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver encore une nouvelle fois avec Vanessa. Enchanté, moi, c'est Brice. Donc, l'extrait de vidéo que vous venez de voir, c'est le test de fidélité que j'ai eu avec Vanessa il y a de cela une semaine et plus même. Et où elle disait que voilà, elle sort avec le frère de son gars. Où elle disait après que voilà, elle essayait de se défendre. Voilà, elle ne voulait pas reconnaître son tort. Mais elle est revenue à la raison, heureusement. Et puis elle m'a demandé, je vous avais dit dernièrement qu'elle m'a appelé. Et puis elle a dit qu'elle voulait présenter ses excuses auprès de vous, aux internautes. Parce que voilà, mais elle dit aussi en même temps que vous l'avez trop jugé. Vous l'avez trop vite jugé et tout, donc... Je suis allé à sa rencontre et puis on va écouter ensemble ce qu'elle veut nous dire. Déjà, elle veut présenter ses excuses et puis Bonsoir Vanessa. Bonsoir Monsieur Brice. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Donc, je suppose que jusqu'ici, je ne sais pas si tu as... C'est quoi la situation globale avec ton... Tu sais pas, je veux dire ton ex ou bien ton gars? Mon ex. Voilà, c'est quoi la situation globale avec ton ex? Bon, pour le moment... On ne s'écrit pas, j'ai plus de ces nouvelles. Parce que la dernière fois, comme tu étais ici la dernière fois, je t'avais dit que on a coupé les ponts. Donc, j'ai plus de ces nouvelles. Ok. Ça veut dire que si tu n'as plus de ces nouvelles, ça veut dire que la relation est complètement terminée. Ah oui, la relation est terminée. Et avec son frère, qu'en est-il? Bon, son frère. Son frère, pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a vraiment rien. Pourquoi? Parce que, apparemment, il s'est arrangé avec son frère, avec son cousin. Donc, ce qui fait que il ne m'écrit plus. Moi aussi, je n'écris plus depuis qu'il s'est arrangé avec son frère. Et moi, j'ai trouvé, bon, que mieux ça reste ainsi. Je suis allé à la rencontre de ton ex. Il m'a fait savoir que c'est toi qui avais fait le premier pas avec son frère et tout. Et alors, par contre, tu nous as dit ici dernièrement, au même endroit, que c'est lui qui était venu vers toi. Non. C'est pas vrai. C'est lui qui m'avait gragué, c'est pas vrai. L'autre là, je suis pas d'accord. Est-ce que tu as déjà présenté tes excuses auprès des deux, ou bien auprès de la famille, ou bien je ne sais pas? J'ai essayé d'appeler mon gars, en fait mon ex. Pour lui présenter mes excuses, il ne me décroche pas le téléphone. Bon, je vais demander les excuses ici en public. S'il peut me voir, s'il peut me suivre, s'il peut écouter, qu'il puisse me pardonner. Après, l'amour, c'est pas la guerre, quand même. Ok, donc, les gens qui nous suivent là, n'est-ce pas, ils ont jugé Vanessa. Ils ont dit que Vanessa, comment est-ce qu'elle peut réfléchir comme ça?
tu as voulu, tu m'as appelé pour présenter tes excuses. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux internautes? En fait, je voulais dire aux internautes que je suis désolée pour tout. C'était pas mon intention de venir diviser une famille. Et vraiment, ces frères s'aiment tellement que même si je faisais quoi, ils devaient seulement se réconcilier. Donc, je suis vraiment désolée. Je demande pardon à tous les Camerounais. Je demande pardon à mon gars. Je demande pardon à son cousin. Je demande pardon à ses parents. Je demande pardon même aux abonnés de M. Brice. Pardon, pardonnez-moi. Je suis vraiment désolée de tout cœur. Je regrette énormément tout ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai que j'avais seulement j'ai vu un benguiste, donc ça me... Mais je suis désolée. Tu as vu un benguiste, ça te faisait vibrer un peu. Ouais. Tu avais l'euphorie là d'aller en beng très vite. Je pensais, puisque c'est lui qui vient vers moi et tout ce qu'il vous raconte là, moi, je suis même dépassée. Moi aussi, j'ai causé avec ma famille. Ils m'ont demandé de laisser tomber, d'abandonner. Parce que ça ne sert à rien de mettre le cœur sur quelqu'un qui raconte du n'importe quoi. Donc, je préfère laisser tomber l'histoire-là. Et je demande pardon sincèrement à son frère, qui est mon ex, qu'il me pardonne. Je suis désolée. Ce n'était pas mon intention de le blesser. Vraiment, j'étais aveuglée par l'argent, mais je suis revenue à la raison et... Je pense que ça ne va plus jamais se reproduire. Donc, pardon, cher abonné, pardonnez-moi, je vous en supplie. Pardonnez-moi. Cher abonné, Vanessa demande que vous... Ils vont te prendre comme ta petite soeur, comme leur petite soeur. Petite soeur. Prenez-moi comme votre petite soeur. Je suis désolée, ce sont les choses qui arrivent. Il faut vraiment que quelque chose arrive comme ça pour pouvoir grandir. Donc, je suis désolée. Prenez Vanessa comme votre petite soeur. Qui suis-je pour ne pas accepter les excuses de quelqu'un? Donc moi j'avais dit ici que Vanessa n'avait pas forcément pris la bonne décision. Heureusement, elle est revenue à de meilleurs sentiments et elle demande pardon. Mais qui demande pardon? C'est à moitié pardonné, non? Quand tu fais quelque chose dans la vie, même quelle que soit la gravité de la situation, on demande d'avoir pardon, ça apaise les cœurs. Donc je suis sûr que mes abonnés sont des abonnés qui sont assez réceptifs. Donc, je suis sûr qu'ils t'ont déjà pardonné. Eux, ils savaient là-bas que tu es seulement naïf. Ils avaient déjà donné leur conclusion à eux. Ils avaient dit que tu étais là, c'est l'argent, il n'y a pas de... Pause publicitaire. Les amis, avant de continuer la vidéo, je vais vous parler d'une entreprise, Easy Market. Easy Market, c'est une entreprise de livraison des denrées alimentaires de la diaspora au Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit l'endroit où tu te trouves dans la diaspora, en France, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Turquie, je ne sais pas, en Chine, au Japon, au Koweït, en Ouzbékistan, je ne sais pas l'endroit où se trouve au Cameroun, dans la diaspora. Quel que soit l'endroit où tu te trouves dans la diaspora, si tu veux commander des denrées alimentaires à tes proches au Cameroun, tu vas sur le site www.easymarket.cm. Je vais dire de manière très simple, c'est quoi? C'est-à-dire, tu es en France, au Canada, aux États-Unis, et tu as la famille au Cameroun, tu veux les livrer les denrées alimentaires, le soja, le riz, l'huile d'arachide, les œufs, je ne sais pas, tout, n'importe quoi, les spaghettis, tu contactes sur le site Easy Market et Easy Market se charge de livrer ces denrées alimentaires à tes proches au Cameroun. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de donner 100 euros à ton oncle, à ton cousin, à ton petit frère au Cameroun pour qu'il livre un sac de riz à ta grand-mère ou bien à ta grande-sœur ou bien à qui, à mamie, je ne sais pas. Et puis, ça va livrer, dépenser 20 euros pour faire les achats que tu as demandé. Avec Easy Market, tout se gère sur le site. Dès que tu commandes là, à 24 heures de temps, les gars sont déjà sur place. Comme vous voyez les images là, c'est comme ça qu'on livre. Sinon, les surprises. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'informer à grand-mère que tu veux lui offrir quelque chose. Tu contactes Easy Market. Easy Market se charge de faire la surprise à ta place. Alors, on continue à regarder la vidéo. À très bientôt. Que tu devais aller là-bas, on devait bien te malaxer comme ça et après, tu devais avoir tes yeux pour pleurer. Donc, est-ce que tu as un dernier mot? Oui, bon. Ce que j'ai à dire, c'est quoi? C'est que, chef, donc, chère fille, ne vous lâchez pas pour de l'argent, ne vous laissez pas embobiner par de l'argent. Que ces benguistes-là ne viennent plus vous chromatiser en vous promettant de l'or, de l'argent, vous faire croire que non, ils viendront vous chercher. Ce sont des menteurs, ce sont des menteurs, je vous rassure. La preuve, ça s'est passé sur moi-même. Aujourd'hui, il dit que je l'ai gragué, que c'est moi qui ai fait le premier pas. Moi, je ris, ça me fait tellement rire. Il m'a fait, j'ai cru en lui, alors que j'ai cru en lui bêtement, aveuglement. Donc, je vous prie de me pardonner et que vraiment, tout
tous ceux-là qui rêvent des benguistes, de Mbeng, tout ça, ce sont les conneries. Battez-vous votre petit gars, vous allez progresser, vous allez aller de l'avant. Moi particulièrement, je veux que mon ex puisse me pardonner, même si on n'est pas ensemble aujourd'hui, mais qu'il puisse connaître que la fille qu'il a connue, qui était une bonne âme, qui n'avait pas de mauvaises intentions, que je suis revenue à la raison et je demande sincèrement pardon, s'il peut me pardonner. Et que cela ne va plus jamais se reproduire, je vous promets. Je suis surpris d'entendre Vanessa parler comme ça. Je suis sûr comme vous. C'est-à-dire que la Vanessa que j'ai reçue, qu'on a écoutée ici la dernière fois, où elle disait que je ne peux pas le laisser, je ne peux pas le laisser parce que voilà, il a dit qu'il m'a promis de m'amener en Beng, il ne peut pas, que je veux gérer les deux et tout. Mais la Vanessa d'aujourd'hui, elle est en train de conseiller, c'est bien. Non, mais c'est très bien. Moi, je suis très heureux que cela puisse trouver une solution. Je suis très, très content que tu aies pu trouver la raison. Donc, chers abonnés, dites en commentaire, est-ce que vous pardonnez Vanessa ou pas? Mais je sais que Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Donc, tout le monde a déjà commis des erreurs. Nous commettons tous des erreurs. Et comme Vanessa a dit, j'aimerais passer un petit message à vous, les petites filles benguistes. Comme par exemple bientôt c'est la fin des vacances, la fin des vacances et la fin d'année, plusieurs benguistes viendront au pays vous embobiner le cerveau, vous dire comment ils vous feront vos papiers et tout, juste pour profiter de vous. Donc si vous n'êtes pas assez intelligent, et la situation où le gars sort avec la petite soeur et la grande soeur, ça se vit dans les familles. Les situations où la fille sort avec le frère et le petit frère et le grand frère, ça se fait dans les familles. Et elle était aveuglée juste par de l'argent et tout, elle était naïve, elle reconnaît et puis elle demande pardon. Donc je vous demande d'excuser Vanessa, nous faisons toujours des erreurs. Et ceux qui disent que les Vanessa là, toujours Vanessa, toujours Vanessa. Vanessa est née il y a de cela plusieurs années. Avant que le concept Vanessa que vous connaissez sur la toile là n'arrive. Donc, laissez le prénom Vanessa. Elle ne va pas aller jeter son prénom parce qu'il y a eu des histoires avec les Vanessa populaires sur Facebook. Donc, merci de nous avoir écoutés. Je vais demander à Vanessa si elle a un dernier mot à dire et puis on va se quitter. Tu as un dernier mot à dire. Ce que je peux dire, c'est que ne vous aveuglez plus par l'argent. Ne vous aveuglez plus par ces benguistes. Ils ne vont jamais vous aimer. Ils ne vont jamais laisser leurs copines qui sont là-bas en Europe pour vous. Ne vous mentez pas. La preuve, voilà le frère de mon ex qui m'a promis si elle était. Qui part par derrière dit dans sa famille que c'est moi qui ai fait le premier pas. Et pourtant, par derrière, je suis sûre que quand le problème va passer, il viendra m'écrire. Mais je vous promets que moi, je ne peux même plus accepter ces avances. Je suis tombée la première fois, mais la deuxième fois, cela, non, c'est fini. Donc, j'en ai terminé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Vanessa est en train de lire, comme les gens disent en commentaire? Non, je peux pas. Vous ne pouvez pas dire que je lis l'heure. Pourquoi? Parce que il faut toujours ça pour grandir dans la vie. J'ai donc. Je ne sais même pas comment je peux dire ça. Tu as repris conscience. Oui, j'ai repris conscience. J'étais dans le noir. Maintenant, là, je suis revenue dans la lumière. Si je pouvais tout mettre en ordre pour me remettre à mon gars, je devais me remettre avec mon chéri. Je l'aimais. J'ai toujours dit que je l'aimais. J'ai toujours dit, même dans la vidéo, l'ancienne vidéo, j'ai toujours dit que je l'aime tellement. Mais que c'est l'argent de son frère qui m'attirait. Et je parlais toujours ça donc. D'accord. Merci, ces abonnés, de nous avoir écoutés. Je vous demande vraiment de pardonner, d'excuser Vanessa. Elle reconnaît et c'est très bien. C'est très bien. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je vous en prie. Pardonnez-moi. S'il vous plaît, ne me jetez plus les pieds. Pardon. Je suis une âme très sensible au pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Vanessa est un cœur à prendre? Oui, je suis un cœur à prendre. Pourquoi? Parce que mon gars, mon ex, il ne veut plus entendre parler de moi. Mais je sais, c'est quelqu'un de bien, il va me pardonner. Mais il n'y aura plus rien entre nous. Pourquoi? Parce que il y a les deux familles qui se sont confrontées. Donc, on va juste rester des amis, des bons amis. Et on va juste se conseiller, c'est tout. Et tu as quel âge? J'ai 24 ans. D'accord. Merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, il faut liker la vidéo, partager également. C'est très important.
Ciao, ciao. À très bientôt. Merci. Merci.